compagnie de Laura. Donc voilà, la Timo de Lolo. Donc je vous mettrai tous les liens, vous pouvez la retrouver en barre d'infos. Et donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter le swap qu'on a fait ensemble. Donc voilà, je suis trop contente. Et donc voilà, elle va rester avec moi en Skype pendant toute la vidéo. Et donc si vous voulez voir la vidéo qu'elle a fait sur notre swap, je vous la mets en barre d'infos. Et donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai reçu l'enveloppe en 3 jours, donc franchement c'était hyper rapide étant donné que j'habite en Suisse, enfin voilà, que ça fait France-Suisse. D'habitude je mets toujours plus d'une semaine voire 2 à recevoir les colis, et là 3 jours c'était genre je ne sais pas quoi, c'était Noël avant l'heure, voilà. Et donc je suis toute excitée et c'est parti. Donc j'avais ouvrir avec vous parce que j'ai dû me retenir de l'ouvrir, voilà, c'était crucial. Je vais tout sortir. Voilà, attendez, une petite étiquette chelou. Ah non, mais c'est... Eh, il y a une espèce de rikiki puce dans le machin. Bref, j'avais jamais remarqué. Voilà, ça. Bon, voilà. Hein. Et donc, voilà l'échange. Avec la petite meule. Donc, je vais d'abord commencer par ça. Il est trop chou, ton washi tape. Il est plein de paillettes. J'aime trop. Bon. Alors, il y a un petit mot. J'aime bien la première phrase. Si tu dis ce mot, ça veut dire que tu as reçu le colis. Et donc, il y a aussi donc, le menu. Oula. Voilà. Et donc, bon, le petit mot, je vais le garder pour moi. Et donc, bah, je vais étaler tous les paquets sur le sol et on va commencer. Donc, voilà pour tous les petits paquets. Et il y a tout ça de cadeaux. Donc, voilà, c'est trop génial. Bref, alors on va commencer. Donc 1, c'est pour les fêtes, c'est parfait. Alors le 1 il est là. Tadada. Je pense savoir ce que c'est. On va voir si je suis douée ou pas. Bah, bon, je suis pas mini tiseau hein, comme tu m'as dit. Tadam, c'est des paillettes dorées. Mais il y en a 3 tonnes, c'est une grosse folle. Oh mon dieu, elles sont trop belles. Ça, je l'avais demandé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ensuite, on passe au numéro 2. Le soir, elles font briller le ciel. 3 petits points. Ah oui, ça, je pense aussi savoir. Peut-être. Hein. Puis, bon, je déchire. Hein. Tadam ! Des petites paillettes en forme d'étoiles. Elles sont trop choues. Et ça tombe super bien parce que pour Noël, j'ai commandé de la résine. Alors, je vais pouvoir les mettre dedans. Merci beaucoup, et je me suis collé le doigt avec du washi tape, c'est pas mal ça. Ensuite, 3, c'est très beau et ça brille. Alors, le 3 il est là. Mon dieu, t'as mis 3 tonnes de scotch. Bon, j'y vais en déchirant. C'est impossible. Ah voilà. J'ai trouvé comment ça marche. C'est des petits strass. Tada, ils sont trop choux, ils sont tout petits. Tada, c'est trop cool. En fait, moi, j'ai jamais testé les strass. Je n'ai jamais eu cette occasion. Mais là, maintenant, ça me donne l'occasion. Merci beaucoup, Laura. Ensuite, 4. J'en mets souvent sur mes pâtisseries. 4. Est-ce que ça peut être ça ou est-ce que ça ne l'est pas? On va voir si j'ai raison. Ah bah trop bien, c'est du faux sucre. C'est ça hein, c'est du faux sucre. Ouais, trop cool. C'est trop petit, c'est trop chou, on dirait de la levure presque. C'est trop cool, j'ai jamais testé. C'est trop bien. Donc voilà, j'oublie pas de dire merci à chaque fois, sinon ça va prendre 3 points. Bon alors, 5, j'adore les fruits et les animaux, pas toi? Ah ça, je crois aussi avoir deviné ce que c'est hein. Purée, attends, comment ça s'ouvre? J'arrive pas. Ah voilà, c'est bon. Hop. C'est des tranches de canne. Oula. Tadam. Donc il y a des animaux, il y a des cœurs, il y a des plein de trucs. Et c'est trop cool. Merci beaucoup, Laura. Donc, ensuite, j'aime beaucoup le déjeuner miniature. Ah oui,
en fait, on s'est emballé des trucs dans des sachets zip comme ça. On a juste recouvert de washi tape. En fait, on était en Skype quand on faisait les paquets. Alors, il y a plein de petites choses. Alors, hop. Quand je zoome un petit peu. Hop, oula. Mais il y a 3 tonnes de choses là-dedans. Donc voilà, je crois que j'ai... Oui, j'ai tout sorti. Donc il y a un petit plateau miniature qui est trop chou. Donc voilà. Ensuite, c'est de la poudre velours, hein, c'est ça le... Ouais, donc il y a de la poudre velours verte. Donc j'ai jamais testé la poudre velours. Donc voilà, ça va être trop cool. En plus, vu qu'elle est verte, j'ai pas mal d'idées là qui viennent. Et ensuite, c'est emballé dans du... Je sais même pas ce que c'est, une espèce de mousse, hein, on dirait. Bon, hop, on va voir ce que c'est. Mais mon dieu, t'as mis 3 tonnes de scotch. Oula, bon, attendez, je vais prendre des ciseaux, hein. Ouais, moi aussi. Donc, oui, j'ai réussi à ouvrir un bout. Je suis trop fière de moi. Sans ciseaux, en plus. Hop là, donc c'est une mini-fière. Elle est toute petite, elle est trop chou. Avec des petites paillettes en forme de fleurs. Et elles sont trop belles. Si la macro veut, c'est ça, voilà. Elles sont trop choupies. Et tu sais, moi, les fioles comme ça, j'en ai aussi, mais elles sont plus grandes. Je ne savais pas que ça existait aussi tout petit. On ouvre le de la main. Si j'arrive, c'est bon. Et là, ce sont des paillettes vertes, je crois. Hein, c'est ça, hein, c'est des paillettes. Oui, c'est des paillettes ou des espèces de perles, je ne sais pas trop. Ouais, en fait, c'est des paillettes en 3 dimensions. Voilà. Donc voilà, verte aussi, et c'est trop chou. Donc voilà, même si la macro veut pas se faire, s'il te plaît. Voilà, donc des paillettes, et des paillettes, voilà, que des paillettes. Donc merci, merci beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, je sais même plus quand j'en étais. Ah oui, le 7, tu as mis tes créations? Ah ah, ça je crois que j'ai deviné ce que c'est. Parce que je lui avais demandé... Du vernis triple gloss pour tester. Donc je pense que c'est ça, hein. Donc voilà, il y a un petit tube comme ça, encore caché. Il est trop chou là, le déco tape aussi, enfin le washi tape ou je ne sais pas lequel c'est. Avec des fleurs comme ça, c'est trop chou. Donc, yeah, c'est emballé encore dans du... Bref, voilà, hein. Attends, maintenant faut que je trouve comment ça s'ouvre. Laura, tu m'aides au cas où? Dans le bas. Dans le bas, c'est où il y a le truc ou il n'y a pas le truc? C'est là ou c'est là? Non, le côté. Ok. Où est-ce que... C'est Hawaïa, je crois, ou pas en fait. Bon, bah je vais ôter le machin. Même s'il est trop beau, il faut que je l'enlève. Donc je pense que c'est la même chose dans les deux, hein. Oui. Ok. Donc j'en ouvre un pour montrer et l'autre, bah j'ouvrirai hors caméra, sinon ça va durer 3 plombes. Voilà. Donc oui, c'est du vernis comme ça. Et il y a une bulle d'air qui s'est formée, c'est hyper simple. Donc c'est du vernis triple gloss. Tada. Donc c'est trop cool parce que j'ai entendu hyper beaucoup de bien sur ce vernis. Et voilà, maintenant je vais pouvoir le tester et me donner mon propre avis. Donc voilà, merci beaucoup. Et ensuite, alors, 8. Pour monter, tu en auras toujours besoin. Alors, j'adore le papier. Elle m'avait demandé, tu fais quel à décoter pour tes créas? Pour les trucs, bref. Oula, c'est un énorme sachet d'un. Oula, là, attends. Il y a un petit qui s'est coincé. Voilà. Je crois qu'il y a tout. Donc, il y a hyper beaucoup de choses. Donc, il y a... Oula, c'est tout emmêlé un peu. Attends. Le connecteur, mais regarde où c'est coincé. Attends, dans la bague. Il s'est coincé dans la bague, le connecteur. Donc bref, il y a un connecteur, mais en tout cas, voire plusieurs ou un, je ne sais pas, qui s'est coincé dans la bague. Ah voilà, je l'ai eu. Donc il y a, attendez, je vais faire un petit tri. Donc il y a 2 connecteurs nœuds comme ça. Il y a 2 supports de bague réglable. Il y a une petite grippe. Voilà. Il y a 3 breloques Made with Love. Il y a 2 petits mousquetons. Il y a... Alors, de
quoi faire deux paires de BO américaines. Voilà. Il y a de quoi faire une paire de boucles d'oreilles plus avec les bouchons. Il y a deux tiges à œil, un porte-clés comme ça, serpent, et deux petits pitons. Donc voilà, merci, merci. Donc ensuite, j'en suis au combien moi? J'en suis... attends, ça c'est le... Pas de numéro, ah c'est 10, attends. Ouais, j'ai fait 8. Alors le 9, pas de Timo, pas de Yannick, pas de Primo, et... Attends, j'ai trouvé. Patimo, quel est Patimo, Patimo? Ah, je sais. Merveille Puffy. C'est ça? Je verrai. J'aime bien parce que je pose des questions à Laura, elle ne répond pas. Je suis seule. Peut-être. Alors c'est... Non, c'est tout mou encore. Donc si elle dit que ça n'a pas séché, c'est que ça sèche à l'air. Et donc c'est emballé dans du film alimentaire là. Donc je vais essayer d'ouvrir sans tout déchirer. Parce qu'en fait, avec le film plastique, ça fait violet, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Hop. Bon, je vais ouvrir, elle vous montre après, hein, parce que sinon... Donc, ouais, voilà. Donc, c'est pas de la mamette Puffy, comme je le pensais peut-être ou pas. C'est de la porcelaine froide de chez Wipam. En fait, elle m'a aidée parce que je savais pas trop ce que c'était. Voilà. Donc, voilà, et c'est la couleur. Vas-y, sablé, c'est ça? Voilà. Donc, ça va être super, je vais pouvoir tester. Donc, je vais bien emballer de nouveau. Voilà, donc ça va être trop cool. Ensuite, je crois, ouais, c'est bon. Après, le 10, qui est le dernier paquet, c'est des boules de neige, des cœurs simples, à toi de voir. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, j'adore le décoté, là, sur Paris, il est trop beau. Il est trop beau. Hop là. Mais t'es une grosse malade mentale. Elle m'a foutu du ruban. Trop bien, il y en a beaucoup en plus. Alors, il y en a un avec des boules de neige. Voilà, pour Noël c'est parfait. Il y en a un à pois vert et il est trop trop beau. Il est magnifique. Il y en a du Vichy jaune. Il est trop beau et tu m'en as mis 3 tonnes à chaque fois. Et il y a un tout fin, il est trop chou, c'est un peu un effet couture bleu clair. Il est trop beau, merci, merci, merci. Et donc maintenant c'est les cadeaux. Donc je vais commencer par celui-ci, enfin c'est aussi Laura qui m'a dit de commencer par celui-ci. Et il y avait une petite phrase sur le menu qui dit « Déjà fini, pas de soucis, tu as une surprise, ouvre vite alors. » Parce qu'elle est trop pressée que j'ouvre en fait, c'est trop drôle. Bref, donc voilà, je vais ouvrir si j'arrive. Alors bon, je vais utiliser mes ciseaux, ça sera plus simple. Voilà. Tada! Donc je ne sais absolument pas ce que c'est, hein, parce que c'est des cadeaux. Hop. Oh, trop chou, c'est une de tes créas. Elle est trop belle. Il faut que je... Voilà. Yeah! J'arrive pas. Il y a du scotch. Ah, la grosse malade mentale qui essaie d'ouvrir son paquet. Voilà. Voilà, vais-je arriver à prendre la chose? Ah bon, il y a ce caca de scotch qui scotche. Trop bien, voilà. C'est trop cool, il m'a fait une super belle... Oula, j'ai dégommé la caméra. Une trop belle création. Donc c'est un porte-clé avec marqué un ruban où c'est écrit enfin, une belle journée. Oula, la création, elle s'est enlevée. Bon, je vais réparer après. Hein. Voilà. Et donc, c'est un pop-popcorn. Il est trop beau. Moi, j'arrive trop pas à y faire, mes pop-popcorn. Je les trouve trop moches. Et il est trop chou. Merci, merci beaucoup, Laura. Donc, et maintenant, je passe au sachet. Voilà. Hein. Elle se marre, là, j'entends. Hop, alors. Oh, elle m'a mis des nœuds. Oh, trop bien, ils sont trop beaux. Alors, il y en a un qui... Oh, il est trop beau. C'est toi qui les as fait ou tu les as achetés? Oh, mais ils sont trop beaux. Donc, en plus, c'est elle qui les a fait. Hein. Ah non, c'est pas toi qui les as fait. Attends, mais... C'est toi qui les as achetés. Ben voilà. Alors, je l'ai mal compris, pardon. En bref. Donc, elle les a achetés, mais ils sont trop, trop beaux. Voilà, j'adore en plus. C'est des nœuds hyper originaux.
Et le deuxième, il est comme ça, il est trop beau. En plus, il y a des gros nœuds. Moi qui ai l'habitude des petits, bah, ça me changera un peu. Voilà, il est trop magnifique, bleu à pois blanc. Et ensuite, elle m'a mis un moule petit biscuit. Trop bien. Parce que je lui avais dit que je cherchais trop un moule, il va être trop bien. Je vais faire tout de suite une création avec après. Voilà. Donc, elle m'a remis un support de bague, même deux supports de bague. Voilà. Elle m'a remis encore un porte-clé. C'est une grosse malade mentale, cette fille. Elle m'a mis un bout de Yumaru bleu, voilà. Donc voilà, j'adore le Yumaru en plus, c'est trop cool. Il y a encore un nœud qui est trop chou, c'est marron à pois blanc. Et c'est vraiment mes nœuds, je crois, préférés. Voilà, ce que je mets tout le temps. Il y a encore un autre support de bague, donc en gros, il y en avait trois. En fait, là-dedans, il y a un truc où ça avait juste mis pour le support de bague. Non. Il y a un truc. Oh. Parce qu'il était autour, alors tu sais, des fois on met ça pour pas que ça se déforme. Bref. Donc il y en a encore un troisième, hein, voilà. Il y a un aimant, si je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est un aimant qui aimante, logiquement. Et il y a ces deux petits machins, donc je vais commencer par. Je vais commencer par lequel, Laura? Ok, donc je commence par le. Où il y avait le petit bonhomme de neige. Donc, Vachistas. Donc c'est encore une espèce. Et il y a des petites paillettes, elles sont trop choues. C'est des espèces de mini étoiles trop belles. En plus, dans les tons rouges et tout, c'est trop joli. Merci, merci. Et dans le deuxième. Dans le deuxième, Vachistas. Donc, faut que je déchire le scotch là. Ah! Je suis en train de dégommer tout. Alors, faut que je fasse gaffe parce que je vois un peu ce que c'est. Ah, de tout le déformer du coup. Ce serait dommage. Il est un peu aplati, mais ce sera pas mal, moi je dis. Donc, c'est en fait une brique de lait. Voilà, miniature. Elle est trop belle. Donc, elle s'est un peu écrasée avec le voyage, mais c'est pas grave. Elle reste jolie quand même. Donc, voilà pour tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc, c'est vraiment une grosse folle. Donc voilà pour notre échange, c'est vraiment une grosse dingue vu tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc allez vous abonner à sa chaîne, voilà. Et donc sur ce, bah, moi je vous fais d'énormes bisous et on vous dit à bientôt.